but I've been trying to be lately. All I have to do is think of me and I have peace of mind. Se dépasser, c'est une notion assez simple. Ça veut dire repousser ses limites. Faire un peu plus, un peu mieux, accomplir quelque chose d'important. Comme ça. Lucas ne fait plus partie de l'équipe, mais ça ne veut pas dire que le championnat est fini pour nous. Au contraire, je dirais que notre saison ne fait que commencer. Attention, c'est pas le moment de se retrouver sur ma route. Encore un dunk incroyable de Nathan Scott, tous ses fans sautent de joie. T'es sûr que tu vas tenir jusqu'au mariage? Je suis pas trop sexy, là? La vie est parfois surprenante, on prend de sacrés coups. Par exemple, quand on tombe amoureux de quelqu'un qui oublie de nous aimer. Quand on se sent abandonné par sa meilleure amie ou son petit copain. Ou quand on a pressé une gâchette ou allumé une flamme et qu'on ne peut plus revenir en arrière. Il faut faire preuve de courage. En sport, ça s'appelle se dépasser. Dans la vie, c'est ce que j'appelle rendre les coups. Nathan Scott revient sur le terrain sous les applaudissements de la foule. Il porte le maillot de Lucas Scott. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Les Ravens sont menés de 9 points et il ne reste qu'une minute à jouer. T'aurais dû rester au vestiaire. Ta saison est terminée. C'est ce qu'on va voir. Bravo ! Joli tir, Nathan ! Tire à 3 points de Nathan Scott. Les Ravens n'ont plus que 3 points de retard à 30 secondes de la fin. Notre capitaine fait honneur au maillot de son frère. T'essaies mal 3 points, West? T'as peur de pas y arriver? Ballon! On va rire. Tu vas être obligé de tirer les lancers francs. T'as la pression, hein? C'est pourtant facile. Suffit de se concentrer. Attention, c'est là que se joue tout le match. Waouh! Je les tire! Et les Ravens ont récupéré le ballon. Il ne reste que 18 secondes pour rattraper leurs 3 points de retard et Nathan Scott est en feu. Qu'il gagne ou qu'il perde, les Ravens nous auront offert le match du siècle. Ils se rassemblent sur leur banc, nous sommes à quelques instants du dénouement. Écoutez-moi bien, le petit Scott est en forme. Ils vont donc forcément lui passer le ballon. Alors dès qu'il l'attrape, tu provoques une faute. Ils auront 2 lancers francs, mais on a 3 points d'avance. Je suis sûr que je peux le bloquer. Non, c'est bien trop risqué. Tu fais une faute, je te dis. On se débarrasse d'eux et on reste invaincus. Allez, les gars. Allez. On gagne à 3. 1, 2, 3, on gagne. Écoutez-moi bien. Je veux que vous vous donniez à fond, parce qu'un jour, vous vous souviendrez de ce match. Et qu'on perde ou qu'on gagne, le plus important, c'est de pas avoir de regrets. C'est compris? Faites de votre mieux, c'est tout ce que je vous demande. Allez, Ravens à 3. 1, 2, 3, Ravens! J'ai lu quelque part qu'on ne reconnaissait pas les instants marquants de nos vies au moment où on est en train de les vivre. On s'habitue à tout, les choses, les idées, les gens, et on ne se rend pas compte de notre chance parfois. C'est seulement lorsqu'on risque de perdre quelque chose qu'on se rend compte à quel point on nous tient, à quel point on en a besoin, à quel point on l'aime. Et moi, j'adore ce jeu. Qu'est-ce que t'attends? La faute, Damien, la faute! Non, ne faites pas de faute, je m'occupe de lui! Je suis
suis le meilleur, Scott, je vais t'avoir. Faute sur le numéro 3. Quoi? Attendez, vous vous fichez de moi. L'arbitre a sifflé une faute. Avec ce tir, les équipes sont à égalité et il y a une faute de Damien West. C'est pas croyable. C'est n'importe quoi. Grâce à ce lancer franc, les Ravens pourraient gagner le match et donc le tournoi. Jouer sur le lancer franc du capitaine Sakonstein. Attention, je veux que tu marques 20 lancers francs d'affilée. Si tu en rates un, on recommence à zéro. Non, j'en ai marre, je suis fatigué. Je sais, mais c'est pour ton bien. Un jour, tu me remercieras. Je ne regrette rien de ce que j'ai vécu. Parce qu'aujourd'hui, ça m'a amené ici. Attention, c'est le moment. Tu vas le rater, Scott. T'es un nul.